représente la Grande Araignée, qui est de François de la Rosière et de la Compagnie La Machine. Cette Grande Araignée est née à Nantes. Elle a été fabriquée à Nantes pour la ville de Yokohama en 2009. Elle est faite de métal, d'acier, de vérin, d'hydraulique, de bois. La Grande Araignée a 8 pattes, 2 chélicères, ce sont les deux petites pattes à l'avant qui lui permettent d'attraper ses proies. Elle a une tête, des yeux, elle a un abdomen, elle crache de l'eau, elle bave, elle fait des grands fils, des filaires depuis son abdomen. Et elle sortira à Nantes pour la première fois demain, vendredi 8 juillet à midi, place Saint-Pierre. Moi, je suis très heureux que l'araignée Kumo puisse aller faire cette incursion dans la ville, dans Nantes, près de la cathédrale, sur les 50 otages, descendre près du château. Donc c'est, oui, c'est une première pour notre araignée. Jusqu'à maintenant, elle est née dans cet atelier, elle a fait ses premiers pas sur le site des chantiers. Certains privilégiés ont pu la voir, mais cette fois-ci, elle sort officiellement et elle va arpenter les rues de Nantes. Donc on est très heureux de cette petite incursion qui j'espère, ramènera le reste de nos grandes machines dans le cœur de la ville.